be strong. Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour la deuxième vidéo sur la chaîne. Bon, après je vais arrêter de compter, hein, je vais faire une nouvelle vidéo parce qu'il y en aura vraiment beaucoup. Comme vous pouvez voir, j'ai fait un peu le tour, j'ai fermé un peu de ressources qu'il nous faut pour les quêtes d'après. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être un petit peu plus de niveau qu'avant. J'ai aussi des bottes de l'aventurier et l'amulette de l'aventurier, donc je mets hein, directement. Pour cette vidéo, on va s'intéresser au succès toujours d'Incarnam. Hein, de toute façon, c'est une vidéo par succès. On va être sur Incarnam service dans la milice. Donc là, il va s'agir en fait de taper des mobs de tout Incarnam en fait pour pouvoir voilà, des certains nombres de mobs par rapport au à la quête en cours. Je vous conseille avant de lancer cette quête là. D'aller faire un petit tour à l'atelier des forgerons pour vous fabriquer un couteau de chasse. Un couteau de chasse qui va être très utile pour récupérer de la viande intangible. Et la viande intangible se vend relativement cher. Je crois qu'on est à 1000 kamas et 10, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Donc en début de jeu, c'est plutôt pas mal. Alors pour faire la. Tac, pour faire le couteau de chasse. Vous avez besoin de 3 poudres de perlimpinpin et 3 laines célestes. Donc ça, je vous invite à aller les farm. Je les ai farm avant de faire la vidéo. Laine céleste, on va aussi en avoir besoin pour les quêtes un petit peu plus tard. Alors, du coup, l'équipement, on met le couteau de chasse. Et on va aller voir le capitaine Kérubin pour qu'il nous propose la première quête. Qu'on va devoir faire. Alors, proposer vos services, le test d'aptitude, on accepte d'être mis à l'épreuve. Le caporal binaire, qui est ici. Hop, je peux vérifier si j'avais monté toutes mes stats. D'accord, donc du coup j'ai trouvé un combat avec un tofu, je l'ai pris vite hein, parce que je m'en suis fait piquer un juste avant. La personne pas très cool n'a pas voulu... le faire, qu'on le fasse ensemble. Ça arrive, il a le droit. Hop, donc là, on va essayer. On va faire le tchal quand même. Et voilà. Oh, bah, on n'a qu'une plume. C'est déjà bien. Hop, on retourne voir le capitaine Kérubin. Ok. Déjà que vous avez. Hop, enquête de preuve. Un succès pour avoir fait 10 quêtes, je pense. En savoir plus sur les milices. Ah, bah ça, c'était pour l'autre. Voilà. C'est pas grave. Donc, coup d'épée dans l'eau. Donc là, on va au lac d'Incarnam. Il va falloir tuer 2 petits glottes, 2 plic-plocs et un grand splatch. Donc là, il y a 3 grands splatch, je vais les prendre. Le combat de 3, c'est toujours rentable. Hein. Il y a de la viande dessus, donc. Hop. Voilà. Et le dernier, voilà, 3 viandes, hein, toujours 33. Là, j'en suis à 18 viandes. Vous voyez, 2000 kamas pour 18 viandes. On va leur estimer. C'est pas foufou, mais quand on débute le jeu, c'est plutôt bien. Alors là, on a 2 petits glottes d'un coup. C'est impeccable. Non, oh, zut, je peux faire attention. Alors là, et 2 plic-plocs. Ah oui, tout à l'heure, en passant par ici aussi, quand je farmais pour le frêne, j'ai aussi ramassé des goujons qu'on a besoin pour le succès d'après. Un petit glot ici. Un grand splatch. Voilà, on a 2 petits... Ah non, c'est des plic-plocs qu'il nous faut. Un plic-ploc là.
certains. Tac. Ok, il nous en manque un. Essayer de voir si on le trouve pas par là. Voilà, on passe niveau 10, on a accès à l'havresac. Ah oui, je. Pour les combats, donc les gros combats, comme par exemple Cardorim, le premier pour le donjon, je l'équiperai de Lumino, un compagnon que j'ai sur ce compte, donc je l'ai pas là, hein, il doit être dans mon havresac, ou alors je l'achèterai, hein, pour avoir un peu de soutien sur dans les moments où ça pourrait être difficile. Voilà. Et puis surtout pour les donjons, pour les succès duo, juste comme ça, c'est quand même assez pratique d'avoir un compagnon. Alors, le capitaine de Kirupa, partage chassé dans les pâturages. Donc là, dans décime-moi un bouffe-tout. Et on va devoir tuer un bouffe-tout de chaque sorte. Donc là, on a un nuageux, un éthéré dans le même combat. Hop là, le deuxième. Ah zut, je sais pas. Oh dommage. Donc voilà, une naine céleste, un palichon, il nous en faut un, et il nous manquera un orageux. Hop là, et un orageux, il y en a un là, avec un palichon. C'est très bien, juste à côté de la map, on perd pas de temps. Hop, et voilà, on a de la viande, un amulette, de la laine céleste. Et on retourne voir le capitaine Kirubin. Voilà. Tac, alors la suite, on est sur chasse au chapardame. Donc on a fait plus de la moitié, hein, des quêtes de ce succès. Berbride, on ira le voir après. Direction la forêt. Donc là, faut deux chacrobates. Ça tombe bien, il y en a trois dans le même combat. Voilà. Alors, il faut deux ronronchons. Ça tombe bien. Il y en a deux ici. Il restera ensuite un seul tigrimat. Tigrimat et chocrobat. Ok. Donc un anneau de l'aventurier. Très bien, ça donne toujours des stats supplémentaires. Tac, les bottes niveau 11. L'amulette de l'aventurier, j'en ai une. Allez, on retourne voir le capitaine Kirubin. Donc ensuite, il va nous donner leçon d'humilité. Il va falloir aller taper à nos Samoda. Je vais me faire un petit peu de. Juste un petit peu de pain, si j'ai assez de blé. Sachant qu'il m'en faut 4, il faut qu'il m'en reste 14.
La défi en combat singulier. Et c'est parti. Donc voilà, une fois que l'affreuse vaincue, on remonte pour voir le capitaine Kiruba. Hop là, annoncer la victoire sur l'Osamoda, on passe niveau 12. Et on part en direction du cimetière. Voilà, nous y sommes. Alors, il y a un chauffeur débutant, ça tombe bien, il nous en faut un. Et maintenant, il va falloir trouver le Toboggan de Persiclope, qui est ici, dans le petit sorte de petit temple, cimetière, petit tombeau. Hop, on clique ici et voilà Persiclope. Voilà, on se défend. Avec 70 HP, hein, il est assez facile à vaincre. Alors, on récupère le sac de bijoux qu'il va falloir rendre à, du coup, au capitaine Kérubin. Donc là, c'était la quête des chaffaires qui marche, la dernière quête pour le succès, service dans la milice. Donc voilà, je préfère faire des parcs succès comme ça. C'est des vidéos qui sont assez courtes, 10 minutes. Et je trouve que c'est très bien. Le premier essai que j'avais fait était une vidéo d'1 heure. Et c'était pas. C'était un peu long, je trouve. 1 heure, que si on met que 10 minutes par. Voilà, c'est pas forcément. Tout le monde ne regardera pas forcément. Hop, donc on a le succès. On passe niveau 14. Et on s'en va. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode. Pour le succès, c'est le métier qui rentre. Allez, salut.